Hey, c'est Rox, c'est quoi là-dedans? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo! Aujourd'hui, nous allons nous ouvrir, eh ben oui, on va s'ouvrir quoi? Des tripacks by Paradox! Et oui, vous aviez été nombreux à me demander de faire cette vidéo sur les tripacks by Paradox, car évidemment, vous le savez, sur EV2, on a été très chanceux, presque un hit sur chaque tripack. Et ben sur EV3, on a été très chanceux nous aussi, hein, sur Flamme Obsidienne, presque un hit sur chaque tripack. Est-ce qu'on va avoir autant de chance sur ces tripacks EV4 Faille Paradox? Et bien on va le découvrir tout de suite. Mais avant tout, on n'oublie pas de s'abonner et de lâcher le petit pouce bleu pour ne rien rater à ce qui va se dérouler sur cette chaîne, les amis. Et je vous vois... Ceux qui regardent les vidéos sans se vous abonner. Vous êtes à peu près 50% à regarder toutes les vidéos et ne pas vous être abonné. Allez, c'est le moment, les gars. Abonnez-vous. C'est gratuit, ça coûte rien, ça fait plaisir. Allez, nous, on se retrouve tout de suite pour découvrir ce qui se cache dans ces tripacks. Let's go! Et nous revoilà pour l'ouverture de ces 4 tripacks EV4 Faille Paradox. Les amis, nous avons 2 tripacks avec la carte promo de Cryodo et nous avons 2 tripacks avec la carte promo de notre ami Balbalaise. Ce sont tout simplement 2 vraies cartes promo et pas tout simplement des cartes holographiques de la série avec un effet Cosmo comme ils arrivent à le faire assez souvent en ce moment. Allez, on commence tout de suite avec ce premier tripack à l'effigie de Cryodo. Est-ce qu'on va avoir de la dinguerie à l'intérieur ou pas du tout? En tout cas, je l'espère. Pour l'instant, Faille Paradox, les gars, c'est mitigé. Hein. Pour moi, je suis pas très gâté dessus. On a quand même eu 2 beaux hits dans les ouvertures de booster, mais est-ce que dans les items comme ça, on va avoir quelque chose? Ah, ça va être la surprise. Allez, let's go. Pour découvrir de plus près ce magnifique petit Cryodo et son effet Cosmos dessus, il est tout simplement de toute beauté. Allez, on a aussi le petit code. Le petit code, il vous régale. C'est fait pour. Allez-y, les gars, directement sur votre application. Et nous, on découvre le premier booster Faille Paradox avec ce magnifique petit Rugilune sur la pochette. Il est trop beau. Allez, premier booster. Est-ce qu'on va avoir une petite dinguerie pour commencer ou pas du tout? Est-ce que ces tripacks vont être chanceux ou bah, ça va être très pauvre? Je ne sais pas. Allez, le premier code, les amis, du booster. Régalez-vous avec, comme d'habitude. J'arrête pas de le répéter, hein, mais il faut se faire plaisir un peu dans la vie. Allez, c'est parti. Avec une énergie électrique, suivie de Kung Fuin, le Crit Note, un petit Gradur et le Flottajou. On continue avec ce Motorizard et un Flamoutant, Nostansphère, qui nous laissera apparaître une première reverse de Nosferapti. Et ça sera... Oh, là, je dis oui! Là, je dis oui, 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 les amis! Directement une Alternate pour commencer! Oh, avec Vitalité du Professeur Oli, m'entends passer! Mais qu'est-ce qu'il est beau avec ce petit Pomme et le petit Olivini qui est là juste à côté de l'adresseur. Aïe, 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 et ça sera peut-être un double hit? Non, ça sera un Chongjian en holo pour continuer. Aïe, 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 est-ce qu'il n'y a pas une bénédiction sur les tripacks? Est-ce qu'il n'y aurait pas un hit assuré par tripack? Oh là là, ça régale déjà pour commencer. Cryodo, il nous met bien. Allez, deuxième booster du premier tripack de Cryodo. Aïe, 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 les gars, si ça commence comme ça, j'ai hâte de voir la suite. Peut-être qu'on va se prendre une belle gamelle et ne rien avoir pour continuer. Allez, let's go, le petit code, cette fois-ci, il est à l'envers. Et oui, ça change un peu, une fois à l'endroit, une fois à l'envers. Et on va tout de suite découvrir une énergie feu suivie de Satitique. On continue avec un petit Ramboum. Qu'est-ce que je l'adore ce Ramboum, j'ai hâte de le découvrir en carte AR. Rémoraid, Pitrouille. On continue avec un Délestin et une capsule technique énergisant spontanée suivie juste derrière de Trio Pico dans l'eau. Allez, la Technoradar en reverse. Est-ce qu'on aura un petit truc? Non, ça sera Monorpal qui nous laissera apparaître une holographique de Deoxys. Qu'est-ce qu'il est beau ce Deoxys, je l'aime beaucoup. Mais ça, c'est pas un beau hit à avoir. Je trouve même la reverse de Deoxys beaucoup plus belle que l'holographique. Mais ça restera mon simple avis. Allez, c'est parti pour ce troisième booster de Cryodo. Le petit code, vous l'avez vu, il a disparu. Et let's go pour la suite de cette ouverture, les amis, avec une énergie haut. On continue juste derrière avec Nosferapti, Enatu, Kung Fuin, Chakripan, la capsule technique de l'angle mort. Juste derrière, Hôte de Fer, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'aime bien ce petit Hôte de Fer, il est très mignon. La Technoradar, la première reverse de... Mais qu'est-ce que c'est que ce nom? De Banshee Trouille.
Oh, ça c'est du nom de Pokémon mon pote. T'arriveras pas à le reprononcer deux fois. Let's go pour trouver juste après. Ça sera une deuxième reverse de Anis. Et ça sera... Oh, y a la carte X de Hexagide. Qu'est-ce qu'il est beau. Les amis, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est l'illustrateur qui fait les artworks dans Zelda. Et ça, ça régale parce que franchement, pour tous les fans de Zelda, pouvoir retrouver un peu de la touche de Zelda dans Pokémon, ça fait plaisir. Allez, premier tripack les amis, on a une alternate et une carte X, ça régale. On va voir si Balbalaise va réussir à dépasser, en tout cas, ce taux de hit qui nous a régalé sur le premier tripack. Est-ce qu'il y a bien un hit assuré par tripack, les gars? Pour l'instant, ça commence bien. Allez, on s'ouvre le deuxième tripack. Avec cette fois-ci la carte promo de Balbalaise qu'on voit en gros plan avec cet effet Cosmo qui est magnifique. Évidemment, eh ben, y a le petit code qui régale lui aussi. Allez, let's go, c'est pour vous. Faites-vous plaisir. Et on part directement avec le premier booster de ce tripack de Balbalaise. Allez, le petit code du booster, il est pour vous. Il vous régale. Et on est parti directement pour découvrir ce tripack, les amis, avec une énergie électrique, suivi juste derrière de Sort Bébé, Charbambin. On continue avec Tilton et Flamajou. Juste derrière, un Feuilloutant et Norman. Fer de Terre, le Porygon Z Reverse. Ça sera une deuxième reverse de Crabarak qui nous laissera apparaître. Oh oui, une carte X de Garde de Fer X, les amis. Je ne l'avais pas encore dans la collection. Eh ben, ça fait plaisir. Allez, ça fait quand même un petit hit qui débarque sur ce deuxième tripack. Pour l'instant, un hit dans chaque tripack, c'est encore respecté. Ou alors, c'est vraiment que j'ai de la chance avec les tripacks. Je sais pas, les gars, mais pour l'instant, les tripacks, moi, perso, ça me régale. C'est pas encore un gros hit, hein, Garde de Fer X. Ça reste un petit hit, mais c'est un hit quand même. Donc, bah écoutez, on va voir si on arrive à trouver mieux dans le deuxième booster. Allez, let's go. Avec un petit code qui régale et qui est juste là. Et on est parti directement avec, cette fois-ci, une énergie combat. Qu'est-ce qu'il y a sur l'énergie combat? C'est rien. Un petit bout de carton qui était collé. J'ai eu peur qu'il y ait une griffe dessus. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors après, ça reste une énergie, hein, mais bon. On sait jamais avec les problèmes d'impression Pokémon. Allez, Forgurette dans ce booster avec Spinda. Et juste derrière, un tout à fait... Ouh, c'est bien de la mignonnerie. Un Chuchemur, les amis. Ouh, oui, ça, c'est le booster de la mignonnerie, je le reconnais. Avec un Cayenne. On continue avec un Banchitrouille. Mais qu'est-ce que c'est que ce Pokémon, les gars? La vitalité du professeur Olim en carte dresseur. Un Toxizap en reverse. Ça sera un deuxième reverse avec un Monorpal qui nous laissera apparaître cette fois-ci une holographique de Zacian qui est très, très beau. J'adore ce petit effet holographique sur cette illustration. Elle est vraiment très très belle. J'aime bien Zacian. Ça fait partie... Alors je vais pas dire tous mes Pokémon, c'est mes Pokémon préférés. Mais il y a un moment donné dans votre vie, bah voilà, il y a un moment où vous aimez tel Pokémon. Il y a un autre moment où vous aimez plus un autre Pokémon. Et Zacian était un Pokémon que j'ai beaucoup aimé à un moment donné. Mais maintenant, c'est plus le cas, voilà. Bah écoutez, il est très très beau. Il reste quand même très très beau. Allez, c'est parti pour le troisième booster de ce deuxième tripack. Avec ce petit code qui régale et qui nous laissera apparaître directement sur le booster une énergie métal, suivi juste derrière de Stalgamin et un Monorpal qui nous laissera un Hippotrempe et Natou. On continue. Ouabam, juste derrière Meloco qui nous laissera apparaître des rampes L en temps passé. Allez, Monorpal, que j'arriverai jamais à le prononcer ce R au bon endroit. À chaque fois, j'ai envie de le placer après le A, mais enfin bref, c'est une vraie dinguerie ce Pokémon, les gars. Très compliqué de le prononcer correctement du premier coup, et même du 10e et du 20e, et même de la 100e fois des fois. Mais bon, c'est pas grave. Allez, Écrémeux, et non, ça sera une tête de fer en holographique. Bon, bah écoutez, on a quand même eu, sur ce tripack, un hit avec un garde de fer X, donc pour l'instant... On y est bien. Allez, le tripack de Criodo, le troisième tripack qu'on ouvre dans la vidéo, le deuxième tripack à l'effigie de Criodo. Est-ce qu'il va encore nous porter chance ou pas du tout? Je ne sais pas. On va le découvrir tout de suite avec ce magnifique Criodo. Hein, je le remonte, mais il est vraiment très très beau. Et forcément, ce qui vous intéresse le plus, c'est le petit code qui disparaît automatiquement. Hop, hop, hop. Et on laisse directement la place pour les boosters. Hein, let's go pour ce premier booster de ce troisième tripack de la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Ça va nous régaler, je le sens bien. Je sais pas, j'ai une intuition là. J'ai une bonne intuition. Le petit code qui est toujours mal imprimé, mais on s'en fout. C'est des codes, comme d'habitude.
Il n'y a aucun effort de fait sur ces codes, hein, je vous le dis. Aucun effort de fait sur ces codes. Allez, c'est parti avec une énergie psy, suivie juste derrière de Greek Knot et de Flotajou. On continue. Un magnifique Zépibron. Qu'est-ce qu'il est beau. Croquine la coquine. La cape luxueuse. On continue avec ce magnifique petit motorisard qui nous laissera apparaître un flamoutant en feu. Flamme en roule cette fois-ci en première reverse. Et ça sera une deuxième reverse du plan du professeur Thurum en temps futur. Et ça sera rien du tout une holographique de Yveltal. J'aimerais bien la trouver en carte AR, ce Yveltal. Franchement, il doit régaler. J'ai vu les cartes, les amis, et je peux vous dire, elles sont vraiment très très belles. J'ai hâte de découvrir beaucoup plus de cartes AR avec vous. Ça fait plaisir. Allez, let's go pour ce deuxième booster. Pour l'instant, premier booster, il ne nous a pas régalé. Hein. On va voir si ça marche encore, le hit assuré sur le tripack. Allez, c'est parti avec une énergie combat suivie de Hippotrempe. On continue avec un statistique Ramboum qui nous laisse apparaître un Remoraid. Hâte de fer en temps futur. Noacier, juste derrière le plumeau maudit qui nous laissera apparaître une première reverse de ce lutin. Allez, une petite AR, les amis. Non, ça sera une deuxième reverse de Groudon. Et cette fois-ci, oh, Yvetal qui fait son retour en holographique. Allez, le hit, il doit se cacher dans ce booster. Sinon, on m'aurait menti, les amis. Sinon, la chance est partie. Allez, let's go, voir si on a quelque chose. Dernier booster de ce troisième tripack. S'il n'y a rien là, aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 ça sera peut-être l'exception qui confirme la règle. C'est parti pour le petit code. Et on découvre directement une énergie psy, suivie juste derrière de Chochodil. Mais qu'est-ce qu'il est mignon, ce Chochodil sous la pluie. Il est vraiment trop beau. Je l'aime bien. Allez, Monorpal. On continue avec un Krabicoc et un Hippotrempe. Nigirigo qui fait son grand retour avec un Sorbouboule et la veste de défi. Allez, la première reverse de Sorboule. C'est maintenant que tout se joue. On veut un hit, les amis. Non, ça sera une deuxième reverse de Barpo. Attention, attention, non, une holographique de Palkia. On nous a donc menti. Il n'y a pas un hit assuré à chaque bout tripack. Bah non, les amis, bah non, il n'y a pas un hit assuré à chaque tripack. Premier tripack où on n'a rien. Cryodo, il nous a pas porté chance. Enfin, si, enfin, j'ai envie de dire, il nous a quand même porté chance. Il nous a mis deux hits sur le premier tripack. On va pas rechigner, hein. Allez, les gars, on a encore un tripack à s'ouvrir. Ça peut paraître rien, mais il peut y avoir du très très lourd à l'intérieur. Une petite gold, une petite carte alternative, on sait pas. Il peut y avoir énormément de trucs qui se cachent dans ce tripack. Allez, let's go, je vous remontre le Balvalaise. En effet, Cosmo, carte promo, les amis, que vous retrouvez dans ce tripack, il est trop beau. Le petit code qui régale et on est parti pour ce premier booster avec un garde de fer. Oh, l'effigie de ce booster. Est-ce que ça va nous porter chance ou pas? Je ne sais pas. On va voir ça avec tout de suite un petit code pour vous. Allez, let's go. Irox, c'est fait. Vous l'avez eu. Et on découvre directement une énergie plante suivie juste derrière de Flotillon et notre ami Charbambin. Allez, le petit Topico suivi de Mordu d'or. On continue avec un fer de terre. Et Absol, j'adore cette illustration d'Absol, les gars. Il est vraiment trop beau, ce Absol. Flamoutant, le Kung Fuin en reverse, et une deuxième reverse de Sauve-Kipou, qui nous laissera apparaître... Oui, un Exagide en carte X, mais on l'a déjà eu. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes X qu'on n'a pas eu déjà, les amis? Est-ce que c'est possible d'avoir de la nouveauté? Enfin, en même temps, c'était pas dans le même tripack, c'était pas dans le même booster, bon, hein, c'est aléatoire, vous le savez. En tout cas, j'espère que c'est pas le seul hit de ce tripack, parce que sinon, je vais être fâchon, hein. Attention, hein. Allez, c'est ouvert. On découvre le petit code. Vous l'avez eu, et c'est parti pour ce deuxième booster, les amis, de ce tripack, avec une énergie feu, suivie de Statitique et de Ramboum, qui nous laissera passer un Remoraid et un Serapti. Allez, le fer de terre, qui nous laisse un Terra Cruel, et juste derrière, Hurlequeux en temps passé, la première reverse de Sarmouraï. Et ça sera... Allez, on n'a pas eu d'AR, les amis. Astronel en reverse. Allez, elles sont où? Ils sont où, les cartes AR? Les cartes AR, les amis, ça va être très compliqué sur cette série, j'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression que ça va être compliqué de compléter cette série. Allez, let's go. Le petit code, vous l'avez? Vous l'avez plus? Let's go pour découvrir, cette fois-ci, une énergie métal qui nous laissera apparaître Jirachi, juste derrière ce lutin. Et la sœur parasol, Porygon 2. Qu'est-ce qu'il est beau, Porygon 2, je l'aime bien.
nos transferts et Pierrick. On continue avec Cardine, la coquine, qui nous laissera Cayenne en première reverse. Allez, donne-nous une carte à air. Non, ça sera une deuxième reverse de Bao Jian. Et pour laisser finir sur une dinguerie, les gars. Oh, le pelage sablé ex, les amis. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Aïe, 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 aïe. Le petit temps passé de Magnetti. Enfin, en tout cas, ouais, je pense que c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Ah là 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 là, le pelage sablé ex, les gars. Ça, ça rox pour terminer cette ouverture. Et bien voilà la fin de cette vidéo, les amis. J'espère en tout cas que ça vous a régalé. Vous avez vu qu'il y a quand même un fort taux de hit dans ces tripacks. Hein. On n'a pas un hit assuré dans chaque tripack. Vous avez vu qu'il y avait un tripack où on n'avait rien du tout. Mais dans les deux autres, moi, je trouve que ça reste correct quand même. Surtout avec les full art et les cartes dresseurs qu'on a trouvées. C'est magnifique. En tout cas, les amis, je compte sur vous pour vous abonner et lâcher un maximum de petits pouces bleus sous la vidéo pour nous porter du soutien et en même temps pour ne rien rater à tout ce qui sort sur cette chaîne. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines ouvertures sur Pokémon. Salut !